ça, c'est Sam Sulek, un bodybuilder américain de 21 ans qui est en train de tout casser sur internet. Non mais regardez-moi ce nombre de vues, c'est hallucinant. Est-ce qu'il est connu pour son physique super impressionnant, ses conseils de muscu ou son acné massive qui est super suspecte? Eh bah pas vraiment, ce qui a complètement choqué internet, c'est son régime alimentaire qui est super spécial. Des burgers, des litres de lait, non franchement comment c'est possible d'avoir un physique comme ça en mangeant autant de junk food? Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, où je vais manger plus de 5000 calories pour copier la diète de Sam, et je pense que ça va être très très dur. Je me sens trop mal, je transpire et j'ai envie de dégueuler en fait, voilà, c'est assez explicite. Alors mets un petit like à la vidéo et si elle atteint les 1000, je m'inscris au MMA et je défie Im Tarzan dans un combat. Bon les gars, on se retrouve pour le premier petit déj, parce que oui, le mec fait deux petits déj par jour. Il s'est dit non, on va pas tout réunir, on va en faire deux différents. Alors là, c'est vraiment, je pense, le repas de Doberman par excellence. Ça va être composé du coup de 1 litre de lait et de tout simplement de lait, enfin de poudre de chocolat comme ça. Alors vous allez vous dire, mais attends, mais c'est pas du tout ici. Bah ouais, vous avez raison, c'est un premier repas qui est absolument, enfin en gros c'est presque comme de la junk food. Limite le petit déj, on va aller le prendre au McDo, ça sera pareil. Du coup bah c'est parti, on va préparer le petit déj. Alors je vais d'abord verser le maximum de lait dans mon petit shaker. On va remplir ça tranquillement. Donc là je pense que je vais mettre les 3/4 du shaker. Et ça donne pas envie de boire du lait comme ça dès le matin là. Fais voir. Ouais bof. C'est pas incroyable. Par contre ça va être pas mal. On va mettre un petit peu de chocolat en poudre. Alors ça les gars, pour vous, pour faire simple, c'est du sucre. Voilà, c'est du sucre à l'état pur. C'est, vous prenez du sucre, vous le croquez, c'est pareil. Mais on va mettre ça tranquillement dans notre petit lait. Hop. Donc allez, je vais mettre 3 cuillères histoire d'être bien diabétique. Et on va secouer ça et ça va nous faire notre premier petit déj de la journée. Et si ça me tabasse pas le ventre d'ici 30 minutes, c'est un miracle. Parce que moi, il faut savoir les gars que le lait, je le digère pas. Comme ça au moins. Bon, on va faire un petit taste test en direct, même si je pense savoir à peu près quel goût ça a. En vrai, c'est bon, hein, mais rendez-vous dans 30 minutes pour voir si je digère ça. Ah si, c'est moi c'est instantané. Tu me fais boire du lait cru entier ou je sais pas quoi. J'ai envie directement d'aller aux toilettes au bout de 3 secondes. Ouais non, franchement c'est juste psychologique. Non, c'est pas psychologique. C'est psychologique de ouf. Bon les gars, on est en train de taper notre petit lait. Attends, mais décale-toi un peu, parce que là, on dirait que t'es puni sur le côté. On est en train de taper notre petit lait chocolaté. En vrai, le goût, ça passe beaucoup mieux que je l'imaginais. Par contre, moi, j'ai peur de la digestion. Ça va bien se passer. J'ai peur de la digestion. J'ai peur que d'ici une demi-heure, les gars, mon ventre, il soit en mode explosion, Macron explosion. Mais du coup, là, on finit le premier petit-déj. Et d'ici une demi-heure, une heure... On va prendre un deuxième petit-déj. Juste avant d'aller à la salle. Donc, voilà, mais pourquoi il prend deux petits-déj? En vrai, ça sert à quoi? On va être dégueu. Sur les haltères. En vrai, deux petits déj espacés d'une heure, c'est quoi la logique? C'est quoi la logique? Je comprends pas trop. Dites-moi dans les commentaires pourquoi il prend deux petits déj comme ça. Bon, allez, on va essayer de faire un petit cul sec. Là, j'en ai marre d'avoir ça dans la main. Bah là, tu vas pas le digérer, pour le coup. Le cul sec, tu vas pas le digérer, c'est sûr. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Cette vidéo va forcément partir en couille. J'ai hâte de faire le plan sur les chiottes. Oh non. On se retrouve pour le deuxième petit déj, les gars. Ça va tout simplement être un énorme bol comme ça de céréales de Trésor de Kellogg's. Alors là, vous allez vous dire, mais attends, mais pourquoi ils mangent ça? C'est plein de sucre, c'est plein de mauvaises calories. Bah ouais, vous avez raison. Mais apparemment, pour Sam Sulek, du coup, le bodybuilder, la théorie un petit peu pour lui, ça va être de manger le maximum de calories, que ce soit des bonnes calories issues de légumes, de riz, de pâtes, ou des mauvaises calories, bah ils s'en foutent. En fait, une calorie pour lui, c'est une calorie. But through my eyes, 50 grams of carbs, 15 grams of fat, and 25 grams of protein. In terms of calories, this would be the same as if I were to eat 25 grams of protein worth of like cube chicken with some, you know, buffalo sauce added onto it, let's say 15 grams of fat worth, and then 50 grams of rice on the side. 50 grams of carbs from pasta or 50 grams of carbs from like a pack of ramen, the energy inside of those fucking carbs is the same. Donc allez, on va faire un petit taste quand même de ce bol de céréales parce que j'ai mis 150 grammes de Trésor de Kellogg's, les gars, les calories c'est énorme. Bon, tout le monde connaît le goût, mais bon, on va se goûter ça quand même sans les mains. J'en ai partout sur le menton. J'en ai partout. Bon bah le texte c'est validé, c'est plutôt bon. Donc on va taper ça et puis ensuite direction la salle. Putain, j'en ai mis partout, je suis vraiment trop con. Bon les gars, on est à la salle, on va faire une séance d'eau. Alors je vais pas vous mentir, là au niveau digestion, je me sens vraiment bizarre, genre j'ai le ventre qui gargouille, je me sens fatigué. En gros d'avoir mangé tout ce sucre là, je suis pas en forme. Mais pour remédier à ça, traction.
Dès qu'on a un problème dans la vie, traction. Et vu que je copie la diète de Sam aujourd'hui, bon je l'appelle Sam parce que c'est mon copain maintenant, je vais aussi copier son training et il a une manière assez spéciale de s'entraîner. En gros, il va faire pas beaucoup d'exercices et pas beaucoup de séries et il va aller super proche de l'échec, voire même à l'échec à chaque série. Donc je vais vous montrer, mais en gros c'est vraiment un entraînement, tu vois, qui va être intense à mort. Bon, du coup, dernière série, les gars, comme vous pouvez voir, à chaque fois on va jusqu'à l'échec. Vraiment, à la fin, les dernières reps, on tremble de ouf. Enfin bref, assez parlé, let's go. Bon, du coup, on va passer, là on a fait deux gros exercices pour le dos, du coup pour se reposer un petit peu, on va passer sur un exo arrière d'épaule. En gros, l'arrière d'épaule, c'est quelque chose que j'ai pas mal négligé avant, donc là j'essaye de bien focus, parce qu'en gros j'avais un gros retard, j'arrivais pas à le sentir, et j'avais vraiment pas de bosse à l'arrière de l'épaule, c'était pas super esthétique. Mais du coup là, bon, je vais vous montrer, c'est l'exo, on va dire, qui me permet de bien sentir l'arrière d'épaule. Donc je vais vous montrer, faut pas prendre trop lourd, tu vois, un petit peu de sensation, même si Sam Sulek il aime pas trop ça, on va faire ça. Bon, du coup les gars, séance terminée. Alors c'était pas la meilleure séance de ma vie, je me sentais un peu ballonné, mais en vrai je crois que j'ai un petit peu digéré au fur et à mesure de la séance, et genre à la fin ça va, j'étais pas non plus en PLS. Et au niveau du physique, je me sens un peu flotteux peut-être au niveau des abdos, mais honnêtement ça va. Peut-être que si j'avais pris du lait, genre du lait entier, le plus gras possible, là j'aurais été en PLS, j'aurais été en train de me chier littéralement dessus. Mais là ça va. On va se retrouver pour le repas d'après les gars, il est incroyable. Mais avant, petit like et on continue la vidéo. Si tu cherches un programme de muscu et que tu veux te transformer comme les personnes que tu vois à l'écran, t'es tombé au bon endroit. Sur mon site, je fais des programmes 100% personnalisés en fonction de ton matériel, si tu vas en salle et évidemment de tes points forts et points faibles. Et en plus, je te fais un plan alimentaire complet, bien adapté avec ton emploi du temps, avec plein de recettes pour prendre du muscle. Donc si t'es intéressé, rendez-vous sur ananasmusclé.fr. Bon, on se retrouve pour le repas de midi, bon de 13h on va dire, après l'entraînement. Alors Sam Sulek, les gars, il a une diète vraiment mais hyper bizarre. Après chaque entraînement, il prend des burgers. Alors il me semble que c'est des burgers au poulet en général. Moi j'ai pris des burgers au bœuf parce que c'est meilleur, voilà. C'est dit, c'est annoncé. Du coup, on s'est pris un petit Burger King. Il me semble que lui, il va chez un fast-food qui s'appelle Popeye ou quelque chose comme ça. Mais en France, les gars, on n'a pas, j'ai regardé, il n'y a pas. Tu veux, mais il n'y a pas. Du coup, je me suis pris des petits burgers. Alors j'ai pris des petites frites aussi. Je sais pas s'il mange des frites lui, mais manger un fast-food sans frites, c'est un peu dommage quand même. Donc on va profiter, petites frites, taste. Pas ouf, elles sont très molles. Et du coup voilà mes deux petits burgers. Alors j'ai pris un burger mystère et un burger normal comme ça. Est-ce qu'on ferait pas un petit taste quand même? Si, c'est mérité. Et du coup, post-workout, petit burger au poulet. Alors je vous ai dit une totale fake news, j'avais pris des burgers au poulet finalement. Donc voilà, tu vas-y, petit caméraman, tu peux montrer un petit peu l'intérieur du burger. Oh, t'as zoomé de ouf. Ça c'est cos. Du coup allez, c'est parti, petit taste. Post-workout, au lieu de prendre un shaker de whey, on prend un burger au poulet. C'est un petit peu meilleur, j'avoue. Ça c'est validé. Et si je pouvais manger ça tous les jours sans devenir obèse, je serais trop content. Du coup les gars, je vais manger ça tranquille et on se retrouve après. Même si pour Sam, une calorie est une calorie, je comprends pas vraiment le principe. Dans les fast-foods, même si tu comptes tous tes glucides, tes lipides et tes protéines, aucun ingrédient n'est naturel et de bonne qualité. Et pire, c'est blindé de sel et de conservateurs bizarres. Oh yeah.
franchement, après avoir tapé autant de junk food, on se sent juste trop mal. Envie de dormir, la digestion elle te fracasse, et même le caméraman fait la sieste alors qu'il est trop bien payé. 0€, c'est pas mal, non? D'ailleurs les gars, pensez à lui, si la vidéo atteint 1000 likes, je lui paye un salaire la prochaine fois, promis. Bon les gars, je commence à avoir un petit peu de mal à digérer là, je sens que mon ventre à l'intérieur ça gargouille, c'est bizarre, je me sens comme si j'avais un coup de barre, un peu fatigué. Mais je me suis dit, bon, je vais prendre un petit café, peut-être que ça va m'aider à digérer, donc... Enfin, je le bois comme si ça allait agir immédiatement, mais on va voir. Alors, le petit café, c'est double tranchant. Soit ça va me donner envie d'aller directement aux toilettes, ou soit ça va m'aider un petit peu à digérer, parce que là, je vous avoue, mon corps, les gars, il comprend pas ce qui lui arrive avec tout le sucre et tout le lait. Il est pas content, voilà. Il est pas très content. Sam, qu'est-ce que tu nous fais, sérieux? C'est quoi cette collation? Oh non, pas ça! Donc là, les gars, pour cet après-midi, on va manger 4 donuts comme ça. Alors, niveau calories, ça doit être une dinguerie. Je sais pas exactement combien ça fait, mais je suis sûr, il y en a plus de 1000. Et avec ça, on va boire 1 litre de lait. C'est vraiment, je pense, que de toutes les collations qui existent sur Terre, c'est probablement une des pires. Voilà, je vais pas vous mentir. Il doit y avoir un nombre de sucre à l'intérieur qui est littéralement énorme. Mais bon, pour Sam, une calorie, c'est une calorie. Alors, à la limite, qu'il mange une calorie de caca ou une calorie de brocoli, pour lui, c'est pareil. Bon, on va quand même faire un petit taste des donuts. À mon avis, je parie que le premier, ça va aller. Le deuxième, je vais me dire, ça va. Et les deux derniers, ça va être un enfer. Bon, on va goûter le rouge, le donut coccinelle, on va l'appeler celui-là. Allez, parti. Franchement, c'est pas incroyable. C'est gras, le goût est pas incroyable. Non, ça, franchement, ça va pas être une partie de plaisir, cette collation. Et avec ça, 1 litre de Yop à la vanille. Et là-dedans, je sais pas combien il y a de sucre, les gars, je préfère pas savoir en vrai. Ce soir, je suis diabétique. Au moins, le goût du Yop, ça passe un peu mieux, je trouve. Mais ça va vraiment être compliqué. Et je pense que ma digestion, après ce repas-là, ça va être catastrophique. Oh, il est fourré, en plus, celui-là. Ça rajoute encore plus de calories. Ça fait tellement de sucre, c'est abusé. Mon corps, il va exploser, là. 12 seconds later. Et franchement, là, les gars, le donut et tout, ça m'a défoncé le ventre. Je crois que j'ai envie de vomir presque. En fait, le salé, j'ai l'impression que ça passe. Mais là, le sucré, je me sens trop mal. Je transpire et j'ai envie de dégueuler, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est assez explicite. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, tu vas fermer la porte tranquillement. Et moi, je vais me rincer un peu la bouche, d'accord? Bon là les gars, on a été faire une petite balade parce que pour tout vous avouer, je suis en train de transpirer. Je pense que c'est à cause des donuts, il y avait grave de calories dessus. Fais gaffe, il y a un poteau. Grave de calories et de sucre. Du coup, ça, franchement, j'ai le front trempé. Je vous parle même pas des aisselles. J'ai de la sueur ou pas? Un peu quand même. Un peu. Du coup, la petite balade, en vrai, ça va. Ça fait digérer, on va dire. Mais vraiment, la collation avec tout ce sucre, ça m'a vraiment mis pas bien du tout. Donc, je pense que quand je vais rentrer chez moi, je vais faire un coma, les gars. Je vais me mettre dans le canapé, comme ça. Dernier repas de la journée, les gars. Je vous avoue, j'ai pas du tout envie de le faire. J'ai pas faim, voilà. Il y a même encore l'assiette des donuts qui est restée ici pour vous dire à quel point la bouffe, ça nous dégoûte. Donc là, j'ai mis un petit peu de poulet à cuire là-bas et on va se faire des sandwich au poulet, donc en vrai, je pense que ça peut être bon, mais là, juste avant, on va découper les avocats. Est-ce que vous connaissez Fruit Ninja? Non, franchement, je vais tester Fruit Ninja. Pour tous ceux qui s'en rappellent, vous pouvez mettre un petit like. Alors, c'était pas l'idée du siècle, mais ça a fonctionné. Regardez, l'avocat est tranché. Bon, allez, je fais à manger, c'est bon. Dernier repas de la journée, les gars, j'ai cook un petit sandwich avec de l'avocat, du poulet, du carré frais, je vais vous montrer ça. Et même le caméraman a le droit de manger, donc je suis généreux aujourd'hui. Donc voilà, le petit sandwich ressemble à ça, donc je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais on vous mettra un petit plan travelling, il a fait un plan travelling dramatique. Dramatique, c'est Luc, au montage, tu le mets maintenant le plan, il est dramatique, il va trop vite. Bon allez, on referme le sandwich et il va goûter honnêtement. Parce que cette recette là, je pense pas qu'elle est dans mon livre de recettes, mais j'ai vraiment des recettes de ouf. Donc si vous voulez tout simplement vous procurer des recettes de prise de masse, des recettes, je vous mets le lien juste ici, vous pouvez cliquer. Non, pas ici, ici, et vous pouvez choper des bonnes recettes pour prendre du muscle. Bref, taste en direct. Il mange ici. Juste là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et les gars, est-ce que vous avez bien entendu? C'est une dinguerie. Il a même pas dit ouais, c'est bon. C'est une dinguerie. Et pourtant, j'ai pas faim. Bon, allez, on va voir s'il a menti. J'ai menti. C'est trop bon. En vrai, je suis youtubeur, certes. Mais si je veux, je me reconvertis direct. Je deviens cuisinier. Par contre, il faut que tu te débarbouilles aussi. Bon, allez, on tape ça tranquillement.
Et on se retrouve après. Et les gars, comme vous pouvez le voir, je suis sur le canapé là allongé. Je suis une limace humaine, je suis mort. En fait, c'est pas de bouffer 5000 calories, tu vois, aujourd'hui qui m'a défoncé. C'est vraiment de manger 5000 calories de malbouffe. Genre, je sais pas comment les gens font pour manger de la malbouffe comme ça tous les jours. Ou même comment Sam Sulek, tu vois, il fait pour être en bonne santé malgré toute cette malbouffe. Genre, toute la journée, je me suis senti gras, je me suis senti lourd, je me suis senti. Enfin, je transpirais, etc. à cause du sucre, à cause de la graisse. Alors, comme on sait, Sam, il utilise des produits dopants. Est-ce que les produits dopants lui permettent d'être mieux dans son corps, même s'il mange n'importe quoi peut-être, mais en tout cas, moi, je me sens pas bien du tout. On va checker le physique pour voir si ça a évolué depuis ce matin, mais je me sens vraiment pas bien du tout, les gars. Physiquement, après avoir mangé toutes ces calories, j'ai eu un gros effet secondaire. Alors, c'était pas forcément sur le physique, j'avais pris que 1 kilo, j'étais un petit peu plus flotté au niveau du ventre, mais ça va, pas trop de changement. C'était surtout au niveau de la peau, alors peut-être que l'acné de Sam vient de son alimentation, parce que moi, je suis quelqu'un qui a pas trop de boutons, et là, pendant la journée, regardez sur mon visage, j'en ai plein qui sont apparus. Alors, bilan de l'expérience, faites-vous plaisir de temps en temps, mais la junk food tous les jours, les gars, c'est pas sérieux. Faites pas ça. Putain, j'arrête pas de péter à cause de tout ce qu'on est en train de manger là. J'ai une confession à faire ? Ah, mauvais choix, mauvais choix.